aujourd'hui, nous avons fait une masterclass avec l'Union des Grands Crus de Bordeaux. L'idée était de montrer que Bordeaux, au-delà de ses châteaux qui sont mondialement connus, c'est aussi un terroir, c'est aussi une histoire, une influence climatique, une influence géologique. Et donc, étant très sensible à ça, en accord avec Monsieur Laborde, nous avons fait un binôme pour essayer, en 6-20, de montrer que Bordeaux a beaucoup à raconter dans sa climatologie, dans sa dégustation, et surtout de les mettre en scène dans ce qui est l'essence de notre métier, la cournée vin, en essayant de donner faim aux gens, et je crois qu'on y est arrivé. Alors on doit chercher l'information différemment, et c'est là où on se rend compte que Bordeaux a encore toute cette démarche à faire pour rendre cette information accessible. Chaque château connaît très bien son terroir, connaît très bien ses assemblages, mais il manque parfois justement cette vision globale de ce que peut être une appellation à Bordeaux avec toutes ses grandeurs et ses spécificités. La Folie Perraguet, on l'a mis en scène aujourd'hui pour parler du Sauterne qui en a bien besoin. Ce merveilleux vignoble qui en plus est un endroit magique de gastronomie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais ravi de montrer que une nouvelle histoire était en train de se créer avec ce beau château.